na yango pona ko sala bakisi ya bonkoko même bakasa même ma bakasa pe zali na tine zali ko sala sala bayebi moi bin sala sala ba utiliza ka yango pona ko sala bakisi ya bonkoko. Est-ce que vente ya safu mbumo safu ils appellent la rentabilité vente ya safu ezali parmi les fruits très rentables. Ah bon? Très rentable. C'est mon rêve, son nom. Très rentable, surtout d'abord, ceux qui ont allé, ils ont été produits précocement. Ils ont été payés sa maturité avant de belé. Ceux qui ont allé, ils ont été payés sa maturité précocement. Ça fait de l'argent. Puisque tel que chez nous ici, ça fait de l'argent au courant du mois de décembre. Il arrive des fois que les sacs de farine là. Ça se vend vers le prix 200 ou 180 000 francs congolais. 200 000 colonies sont nés. Bon, mingi, bah, arbre fruitier et bongaka colonne yango, na période ya début ya 16 ya mois de novembre. Puisque ce colonne yango na début ya mois de novembre, problème ya mai est allé résolu par la pluie. Puisque le mois de novembre, c'est le mois où il pleut régulièrement et abondamment. Alors l'air loni nzete na yo ekoleka mikolo mukolo moko teto mikolo mi balé sans que mbule bête. Alors ce que loni yango na ba période moins pluvieuse, alors on est obligé on y va ko arroser yango. Pon nzete ce que zali ko zwa maite. Surtout l'air zali ya sika. 9 sur 10 eko crève eko kufa. Mbote na bino bande ko balandi nyonso ya fantastique info ezali ngai mopandisango na bino ndeko Eloge Lubaki bo sabone na chaîne na bino fantastique info bo partager lien na bato mosusu kasi lelo na émission na biso tokolobela bino na ndeto abengi ntete ya safoutier. Je pense qu'il juste ndeto ya safoutier moko pe ya bambuma kitoko otolingaka mingi po esala ka biso pe ba bien kasi lokola bon mesano boyebi. Dans ma plateau na biso tous la kaka na ba invité na biso ou ba ba spécialiste dans domaine wana pour tobeta masolo et longo na bango le lope lokola tozali na mopaya na biso na plateau ilongo na ye ndeto kobeta masolo na biso mbote papa mbote ndeko journaliste o pesi biso kombo na yo pesi ko tozwami komo na ngai ezali papa Donatien Nkau tozali na site Mpangala na Kimwenza gare. Na Kimwenza gare na kati ya commune ya Monga Fula. Papa de l'ancien Kao, tout le monde le lot dans l'été Italie, comme on était Safu. Tout le monde est en train de se faire. Il y a un peu de temps. 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 Mais il y a une méthode de reproduction. Il y a tellement de popularité. Il y a un peu par greffage, mais que ce soit par greffage, mais et bande la caca d'abord n'a colonne mon cocoli en autant aux yeux en haut au bois qui a ma belle et tout le lignin ma principe à rouler à manaï bon mon cocoli à sa foutier pour l'on et en haut mini to bande la canane na côté à un sachet pe na kati na pépinière pour tout beaucoup la canane d'abord et plante à partir ya pépinière pour et y a pas besoin moi développement on y est longo bani. Si manangonde to memi ye esika ye penza ako kolela tango akoti na sachet boy akosa la basanza boni po longo na akinde akota sikoso tango ya akoti na sachet il akoki ko sala plus ou moins 6 mois après 6 mois à atteindre déjà âge ezalike bakoki ko transplanter ye en place définitive 6 mois oui donc po mo kokoli oyo ebi ma penza moi et loko penza sala ramatate. Bon, ko bima ya mukokoli ezala kanango matata penza penza te. Po ya bima déjà pesa mo bourgeon ye bandeli, il fait plus ou moins au bout ya 15 jours déjà abimisi déjà mukokoli. Mais moi tande ezali kaka
banda ye abimisi mo mokokoli po atteindre âge repiquage de yango to lobby ke na pépinière akoyi ko sala plus ou moins 6 mois pour atteindre âge repiquage. Il y a repiquage, oui. Il y a transplantation. Bon, kolona manayi azali mbuma o elona mama bela lolenge ndenge ni. Na isika nyoso. Bon, safutie elona makanango na bisika binsu azali tellement très très exigeant lokula nzete lokula lingustaniete. Ça foutit à coquille sur un sol sablonneux, sur un sol argileux, sur un sol mélangé, argileux sablonneux ou sablonneux argileux. Mais le principe, quand il y a transplantation, il y a nzete, et c'est il faut procéder d'abord par une trouaison. Il faut d'abord que ça la trouaison, au timou la mabele, pour long la mabele, il y a des alina kati na se yamabe. Donc, un trou de dimension de 80 cm de circonférence, plus ou moins 80 cm de profondeur. Pour être na kati na libuluana, to longoli mabele ya mabe, to ti mabele ya malam avec du compost, avec un peu de fumier pour être et permettre nzete l'air et l'onami et kola ezwa développement ya malam. Ezali lokola ndenge to boko la kabana. Soki mwana botami pour kola bien. Il faut soki mwana kutani na bilei, ezali na vitamine, ezali na protéine. Mwana akukola malamu par rapport na mwana zali kaka kulia kaka bilei zali kopesa ye energie, voilà la différence. Nzete pende moko bwana ton oti na kati ya libulu bongo ko sopara mai mikolo nyoso to nini. Bon, mingi mingi ba arbre fruitier e bongaka kolone yango na periode ya début ya 16 ya mois de novembre, puisque soko loni yango na début ya mois de novembre problème ya mai ezali résolu par la pluie. Puisque le mois de novembre, c'est le mois où il pleut régulièrement et abondamment. Alors l'air loni nzete na dayo et ko leka mikolo mukolo moko teto mikolo mi balé sans que mbule bête. Alors ce que loni yango na ba période moins pluvieuse, alors vous allez obligé oyeba ko arroser yango. Pon nzete ce que zali ko zwa maite. Surtout l'air zali yasika. 9 sur 10 et ko crève et ko kufa. Il y a un système de sarclage, tu sais, non? Non. Sarclage, ça s'impose partout. D'ici quand on sort de l'eau, on a kabilo koyo, bilei. Et à la niveau ya jardin, et à la culture vivrière, ba manioko, et ba mala, ba nzete. Sarclage, c'est inévitable. Puisque ma tite ya mabe, et bi magaka kabisika, to l'eau ni biloko ya mutuya. Contenance ya vitamine a contenara lengeni hier zalara ozukara ozu matinyo sotie to ye pas la même exigence de le rôle banjete mususu. Bon, contenance que ya ba ya nani ya belement ndeng to lobby au départ d'abord les akusenga o sala trouaison o amande yango pour être nzete le recouteni na mabele ya kitoko et kuzwa développement ya malamu. Alors, exigence et amendement, ils allaient plus. L'air, ils étaient allés dans le monde. Mais ils étaient ceux qui essayaient de coller. Mais si ça, il y a un moment où ils allaient au départ et d'autres pour récolter les billets et servir les étés mobiles. Tant que j'étais et l'onami et piqué ma belle, pour que ma peine d'état m'inéné, le col à haut, comme les ingibisois, il faut combien de mois? Les safoutiers, il faut compter plus ou moins. Ce qui est ma condition. Des plantations et ali respectées au bout il y a 5 ans à kogi kobota ou alors prenez donc de 5 à 7 ans pour abota mbuma pour abota abando kobota hier ça n'a problème na chaleur té. Bon, ma nani safoutier les ali penza na problème na chaleur té, mais plutôt problème na yeso qui moté koti na zamba ke entre ces amoké ba tumbie langa et pas ba sa fait ali les ali très sensible pour ekoufa puisque corps na yezali muke mingi na cambium oyezali ko mema bilei na kati na nzete, donc ezali très sensible na moto soke zui moto, mais chaleur ya mukili ezali penza très dangereux pour na safoutier. Est-ce que nzete ya safoutier a servabi sora na mbuma ya kolia to pasa na mo ba nzete ya safoutier ezali pe na misala mususu e salak be corse na yango bazali pe ku utiliser yango na bato ba yebi ko sala mwa bakisi ya bonkoko bazali ku utiliser corse na yango pona ko sala bakisi ya bonkoko meme bakasa meme ma
bakasa pe ezali na tine ezali ko salisa na bayebi mwa binsala sala ba utilizaka yango pona ko sala ba bakisi ya buko. Est-ce que vente ya safu mbumo safu ezali pe na rentabilité? Vente ya safu ezali parmi les fruits très rentables. Ah bon? Très rentable. C'est mola biso ono pe na très rentable. Surtout d'abord ceux qui ont ali na banzete ezali ko produire précocement. Oh ezali ko pesa maturité ya mbuma avant bambuma e bima ya ibele. Ceux qui ont ali na banzete ezali ko bimisa mbuma na temps ya ma précocement, ça fait de l'argent. Puisque tel que chez nous ici, ça fait bima ya liboso au courant ya mois de décembre. Il arrive des fois que tu as les kubanango, hein, les sacs de farine là. Ça se vend vers le prix 200 ou 180 000 francs congolais. 200 000 vaut à 100 dollars, 180 000 vaut à 80 dollars. Donc, on a ça qui m'a dit. On a ça qui m'a dit. On a ça qui m'a dit. Bon, nous sommes allés à Yango et Bélé. Puisque nous sommes dans le lobby, les produits agricoles se vendent. Sur la loi de l'offre et la demande. L'air est bimé à l'ibosso prix et à l'écolo. Au fur et à mesure, les alliés production et alliés kobima kobima prix peut et banne qu'on quitte. Mais sinon, d'une manière générale, quoique c'est une production unique, mais ce que vous allez dans cette mingi, c'est vraiment rentable. C'est vraiment rentable les bandes de kobalandi bozo yoka. Tu repousses ça na papa de l'ancien. Bon, mon abandité à sa foule, l'on a mis qui toque. Et bon, aïe sabino, bamibou, ou yangwe sali. Pena ninu yangwe pesaka tolanda. Voilà bandeko balandi bozomona ntete ya safu yango oyo safu ti deja ikoli vraiment bino bozomona bandeko ya safu ya minene oyo do bozomona bino moko ya minene ya moyenne bozomona ndenge koli yo ki tolandi ndenge papa de merci aisi biso abi ntete ya safu ezape na rentabilité. Il y a makasi mingi penza. Papa de Nossier, tous ont assuré la masse de la bise. Ndeti, nzeto tous ont mon avis. C'est d'ami bouboni, inipil. Nzeto yo et ça lui plus ou moins 35 ans. Nzeto oui. Plus ou moins 35 ans. Bande il en a ma. Ah. Donc écoute ça, écoute ça, jambon on bala, on bala. Et si écoute ça, bon. En tant que production, il arrive des fois. Production fruitière et zalaka bambou la nios le lengue mokute. Il y a de 16 années au moment de boti penze bele. Mais il y a de 16 années et boti hein na mandengwana puisque production fruitière et zalaka plus alternante. Donc bambou la nios nzete bota le lengue mokute. Bambou la nios e bota le lengue mokute. Sho ndeti o. Sho e boti. Tu as souvenir de mon roti? Si. Année mon roti, tu as payé pour combien de sacs? Ce qui est boti pendant bien zéto yo, ça nous donne plus ou moins 5 à 6 sacs de farine de récolte. Oui. Oh, tu veux savoir ça? Ce qui est sacs qui m'ont été payé après mon roti, c'est 180 000, ce qui vaut à 80 dollars. Non, bah plus loin, ils allaient l'air et ce qui est bandit. Ce qui est bandit. Puisque l'air est bandit, prix est à la calicolo. Mais au fur et à mesure production ils allaient kobima prix ils allaient peu baisser. Ce qu'on dit ça fou boy abo tamara mingi na saison ni. Il a nga tombola. Bon, ça fou na mangusa batambola quand c'était période moko. Ça fou et botaka après maturité nango et salamaka mingi mingi vers mi décembre mais c'est plus le mois de janvier. À partir de janvier et koli et komi mwindu na age ya koteka yango. C'est plus à partir de janvier. Mais bah arbre et botaka précocement avant janvier au courant du mois de décembre comme on a déjà vous allez première récolte ya safu ndey yango wana surtout na ba période ya décembre na ba fête to zalaka nango ya fin de l'année et ce sont des produits saisonniers nete kama kapenza kitoko pour dans l'air wana mutunyo sazana posa ameka mbuma ya mbula ya sika to benga yango des produits de nouvelle année c'est que ah on a qui moins ça wa kolona mais ça fou ibuta mara kitoko na qui moins en tout cas d'une manière générale ils étaient à safu et se développe pas kapenza kitoko mais ndenge kaka to lobby le principe est que au départ il faut que l'on ait yango avec le principe ya ko sare le yango trouaison pour être na ebandeli nzete za muke puisque nzete za la très exigeant na l'air ezali na ya muke
Alors il faut prendre soin il y a que ça l'amendement avec la trouvaison tout ça la capote nzete et au départ développement yakitoko. Merci papa Donancien Lolengo et Mbaki Bisso ou répondre à ma question na Bisso. Ce pays de l'Enza Mingi, Ningi ou expliquer Bisson, Ningi, il était sa fouille Botaka, Ningi, Kolaka, Pe, Ningi, et comme ma pena, résultat Nango. Bande Kobalandi, Bissonabino, Tokuta, et la prochaine émission à Bisso, Kasibo Sanate, ou contacter Bisso pour la repèse à la sujet, mon sous-tour de la mission Isakoya, Pebo Sanate, ou s'abonner à la chaîne Nabino Fantastic Info. Botika Nakimanankolo, bye bye.